Bienvenue. Bienvenue chez nous. Petit matin, petit café dans le spa. Petit réveil dans le spa, ça fait toujours du bien. Donc Arthur est en train de prendre son petit bain à 10h du matin. Vous vous en servez comment? Relaxation uniquement aussi ou il y a des vertus thérapeutiques? Moi j'ai quelques problèmes de dos. Je prends un petit peu comme le commun des mortels dans la société dans laquelle on vit. Je pense que c'est plus des tensions que des pathologies. Parce que c'est en justement se relaxant que quand on ressort, on a vraiment le sentiment qu'on a calmé des zones qui pouvaient être un petit peu tendues. Il y a des gens, j'en ai dans mes amis, qui leur première motivation, c'est effectivement des besoins thérapeutiques. Ils s'en servent effectivement pour faire du bien et pour se soigner. Le spa que vous avez choisi, c'est un spa que vous avez pris chez Clair Azur. Oui, c'est ça, oui. Chez Clair Azur, il y a une dizaine d'années maintenant, le temps passe vite. Il est semi-encastré, c'est-à-dire qu'il n'est ni complètement dans le sol, ni complètement hors sol. Donc là, le choix qu'on a fait, c'était d'essayer d'avoir une intégration qui soit, on va dire, harmonieuse avec le reste de la terrasse. Donc comme vous pouvez le voir, on a une terrasse tout en bois exotique. Donc on souhaitait avoir cette harmonie-là. Donc du coup, cette semi-encastration, le fait qu'on ait environ 20 cm qui dépasse, on a fait les finitions autour du bassin en bois exotique aussi. Le choix de l'emplacement, il s'est fait aussi dans un objectif d'être près des zones de vie. Donc là, on est sur la terrasse de la maison, près de la cuisine aussi. Donc c'est là où effectivement sa vie l'été. Et on a la piscine qui est deux pas en dessous, trois marches en dessous. Et ça, c'est assez sympa parce que un des intérêts du spa, au-delà de venir s'y tremper le matin au réveil, c'est que ça prolonge quand même largement les joies de la piscine. Alors c'est vrai que l'entretien d'un spa, tout à l'heure je vous parlais de la piscine, c'est sans commune mesure. C'est effectivement beaucoup plus facile, tout est à portée de main. Donc essentiellement, suivant l'utilisation, mais ce qui est conseillé, c'est toutes les semaines, vous devez nettoyer votre filtre. Donc ça, c'est une opération qui va vous prendre à peu près 3-4 minutes. Vous mettez le bassin à l'arrêt, vous sortez votre filtre, vous le nettoyez au jet d'eau, vous le repositionnez. Dans la plupart des bassins, vous avez uniquement une filtration par le haut, donc type skimmer. Pour le mot le plus employé. Là, il y a aussi une aspiration par le bas. Donc l'intérêt, c'est que, comme vous l'avez compris, avec cette double filtration, vous avez beaucoup moins de dépôts résiduels dans le bassin. Ça facilite grandement l'entretien. Ça, c'est sympa aussi. La couverture, là, vous l'avez pourquoi? Pour protéger de toutes les La couverture, c'est un élément essentiel du spa. Ce qui est cool chez Clair Azur, c'est que les spas, ils sont super bien isolés. Ça a été une des raisons principales de notre choix. Ouais. Bon, on connaissait la société de réputation, donc on savait que question de après-vente, pérennité de l'entreprise, on était tranquille. Bon, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'on a le spa, et donc ils ont toujours été présents quand on a eu des petits soucis. On a quelques copains qui avaient fait d'autres choix, et c'est vrai que sur une dizaine d'années, il y en a quelques-uns qui ont eu des déboires avec quelques boîtes qui étaient compériclitées. Mais bon, au-delà de, pour répondre à votre question, au-delà de l'isolation de la cuve en elle-même, on a cette couverture thermique qui est effectivement nécessaire. C'est-à-dire que le soir, quand vous avez fini d'utiliser votre bassin, vous mettez la couverture, le bassin, il est couvert et vous n'avez pas de déperdition de chaleur. Ça, c'est un vrai avantage parce que c'est des vraies économies d'énergie. Venez avec moi, on s'éloigne un peu des glouglous, on se met au soleil, on profite de ces quelques éclaircies. Quand on reçoit des copains, très souvent, ils nous... c'est vrai que ça fait un petit peu rêver, donc ils nous demandent où est-ce qu'on a acheté. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'hésite pas à le dire, parce que des fois, c'est pas toujours évident de conseiller pour après que les copains vous disent « t'aurais mieux fait de t'abstenir ». Donc là, déjà, on est un petit peu tranquille. Donc j'ai contacté la personne qui m'avait aidé chez Clair Azur à concrétiser mon projet. Et il m'a expliqué qu'il y avait un système de parrainage qui était en place chez Clair Azur. Donc ça, c'était plutôt sympa. L'idée... Et vous-même, vous avez parrainé un ami? Du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que je les ai mis en relation. Il se trouve que le modèle que j'ai... il a une dizaine d'années, mais dans la gamme, moi je crois que j'avais un modèle qui s'appelait 575. Et là, puisque avec mon ami on a regardé un petit peu
ensemble à ce qu'il y avait maintenant en allant sur le site. On a trouvé l'équivalent, je crois que maintenant, qui s'appelle 5,79. Et donc, je sais qu'ils sont en relation. Ils vont, j'espère pour les deux, réussir à faire affaire justement ensemble. Et pour vous, le parrainage ? Bah, ça donne droit, on va dire, à des avantages sur l'espace client de Claire Azur. Sur les personnes que vous pouvez contacter au SAV, vous avez aussi une boutique en ligne sur laquelle vous allez retrouver tous les produits d'entretien dont vous avez besoin pour votre spa. C'est là où vous achetez vos produits, vous les achetez chez Claire Azur, vos produits ? Oui, je préfère. Quand on nous a livré le bassin, on nous a offert ce qu'on appelle un kit de démarrage. Donc on a pris nos marques, on va dire, avec ces produits-là qui sont certifiés par la marque. Donc du coup, on est resté sur ce schéma-là. Un des bénéfices du parrainage, c'est d'avoir des avantages sur la boutique. Et là, en l'occurrence, des gratuités sur les produits. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Tellement Claire Azur.